Jésus gagne la bataille sur le péché. Jésus remporte encore la bataille sur l'amour, le plus grand des sentiments. Pendant même qu'on le frappe, pendant qu'on lui fait des choses inhumaines, tout ce qui sort de sa bouche, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Hein? J'ai dit, il faut venir faire ça sur Dieu. Vous voyez comment l'homme raisonne? C'est pas ça. Il y a des choses, l'homme dit, je ne peux pas pardonner. Selon moi, le divorce est l'expression du manque d'amour, du manque de pardon. Si tu es incapable, parce que, frère, qu'est-ce qu'autrui peut te faire de si mal que tu ne puisses pas pardonner? La plus grande qualité n'est pas celui qui guérit. La plus grande qualité n'est pas celui qui prophétise. La plus grande qualité n'est pas celui qui chasse des démons. La plus grande qualité est le degré d'amour que tu as à offrir. Un grand homme n'est pas un grand politicien. Un grand homme n'est pas un grand pasteur. Un grand homme n'est pas un grand physicien. Un grand homme est un homme rempli d'amour. On juge la valeur d'un grand homme par l'amour qu'il a. Donc, le grand homme est capable de pardonner à des gens qui ont éventré des femmes, qui ont tué, violé, et en même temps qui est capable de pardonner à ses enfants, à sa femme, à ses collaborateurs. Le grand homme. Parce que l'amour est rassembleur. Le grand leader, il est rempli d'amour. Tous ceux qui sont partis, les rassembler. C'est ensemble qu'on est une force. C'est pas désunis, disloqués, qu'on est une force. Et la seule chose qui peut faire ça, c'est l'amour. Je parle à tous ceux qui sont là. Et pas vous, je parle à tous les Ivoiriens. Dieu veut une Côte d'Ivoire amour, où des gens s'aiment les uns les autres. L'homme appelé Jésus, au-delà de sa sobriété, ce qui m'a encore fasciné, c'est que tous ceux qui le rencontraient, leur vie était changée positive. Bartimée, viens, Jésus, aie pitié de moi. L'homme appelé Jésus lui dit, vois. Au même instant, ses yeux s'ouvrirent. Alors qu'il est assis, des gens prennent une adultérine. On l'envoie, on la jette à ses pieds. On voulait montrer qu'elle était une mauvaise personne. Elle était une moins que rien. Elle n'était pas une femme digne de s'asseoir dans le foyer. Voyez comment le monde veut vous présenter. On vous présente avec vos défauts. Toute votre nudité est dehors. Parce que le but, l'objectif, c'est quoi? Vous humilier jusqu'à la lisse. De sorte à ce que vous soyez incapable même de vous relever de là. Donc la dame, déjà, le péché qu'elle avait commis, l'adultère, on parle de elle avait trompé son mari. Donc imaginez ce que l'homme pouvait ressentir, la famille de l'homme pouvait ressentir, ses amis pouvaient ressentir. Et en plus de ça, le quartier la soulève, on la prend nue, on vient la déposer devant Jésus. Tout le monde a une pierre prêt à la lapider. Toujours en sa défaveur. L'homme appelé Jésus avait un tel niveau d'amour. Au point même, si vous voulez regarder la nudité de cette femme, je ne vois pas sa nudité. Je vois une évangéliste. On lui demande, on fait quoi de cette femme? Voici sa réponse. Parce qu'il sait que dans la loi, dans la Torah, il n'y a rien qui peut délivrer la femme. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. De vous à moi, ça c'est chapitre combien, verset combien? Il fallait une parole de sagesse pour enlever cette femme de la main de ses bourreaux. L'homme appelé Jésus, qui ne divisait pas des foyers, savait se mettre dans la peau de la femme dénudée, humiliée, là, qui voyait sa mort. L'homme appelé Jésus, ce matin, veut venir à ta rencontre. L'homme appelé Jésus ressuscite après être mort 3 jours. Il revient des morts, son capitaine parmi ses disciples, appelé Pierre, qui l'avait renié. Vous savez, la traîtrise, ça fait mal. Et ce que Pierre a fait, c'est ce qu'on appelle la traîtrise. On demande à Pierre, connaissez-vous Jésus? Il dit même pas, je le connais. Il dit, je n'ai jamais entendu dire qu'il y a un Jésus. Hein? Regardez le niveau du mensonge de Pierre. Beaucoup de mamans pasteurs diraient à son mari, faut pas reprendre quelqu'un comme ça dans ton ministère. Beaucoup de pasteurs qui diront, ça c'est un Géasi. Première fois, tu m'as loupé. Deuxième fois, tu peux me louper. Parce que c'est le propre de l'homme de voir les défauts, de voir le mal. Mais jamais espérer que du bien peut sortir de quelqu'un. Jésus n'a pas vu Pierre comme ça. Jésus a vu Pierre et il a vu une pierre sur laquelle il bâtirait son église. Son amour était plus fort que l'acte de reniement de Pierre. Mais toi, à combien de pierres tu n'as pas pardonné? Il est extraordinaire, capable de pardonner la traîtrise. As-tu pardonné à ton enfant? As-tu pardonné à ton mari? Peu importe la méchanceté que tu peux lui attribuer. Tu es chrétienne? Le chrétien se distingue non par sa multitude de parler en langue, nous dit 1 Corinthiens chapitre 13. Non par sa diversité de dons. Le chrétien se distingue non par ses louanges, ses adorations. L'homme appelé Jésus, dont vous êtes les amis, dont vous êtes les fils, dont vous êtes l'église, avait des valeurs d'amour. Il pouvait voir le bon là où le mal s'était surpassé. Voici l'homme qui a fasciné le monde. L'homme appelé Jésus.